Hey, salut à tous, on se retrouve pour un épisode consacré à My Club sur Pro Evolution Soccer 2019. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, que s'est-il passé depuis? Niveau contrat, j'avais fait des recrutements, j'avais été voir les agents. Qu'avons-nous? Parce que normalement, forcément, nouvelle semaine dit nouvelle chance d'avoir des joueurs. Je montrerai après les joueurs que j'ai grattés. Parce que j'en ai gratté quelques-uns, forcément, depuis la dernière fois. On va faire ça parce que c'est gratuit. On a le droit une fois par semaine. Donc c'est un agent spécial qui rapporte en général. On va voir ce qu'on a. Franchement, on va voir. Je ne sais pas ce qu'on nous propose cette semaine. On a eu aussi des petits cadeaux, je pense que. Je crois qu'il y a eu parce que j'ai joué à la démo. C'est un ballon doré. Un ballon or. Rakitski. Je sais même pas qui c'est. Sur ma vie, je le connais pas. Mais c'est un DC 80. Par contre, faut qu'ils arrêtent de me donner des défenseurs centraux du Shakhtar Donetsk. Ah, c'est pour ça que je connais pas trop. Mais il a l'air plutôt bon. Il a 29 ans, donc l'expérience, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est bien. C'est un bon recrutement, mine de rien. On a eu Diego Llorente quand même avec, aussi en DF. Qui est pas dégueu quand même. Et Zoufi, MDF, je connais pas un Suisse. Un peu moins bon, un peu plus âgé, mais ça va. Mais je vois qu'on nous. C'est bien parce que ici j'ai remarqué qu'on avait plusieurs joueurs, ce que j'avais pas capté forcément au début. J'ai quand même commencé à capter qu'il y avait plein de petits nouveaux trucs, hein. Vous avez reçu un article en récompense pour l'utilisation d'un agent sous gestion de l'effectif. Vous pouvez utiliser dans les grecs menus d'équipe. Alors je sais pas trop ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce qu'on a fait? On va faire Player of the Week. Allez, pour 100, j'en ai dépensé un petit peu. Moi j'ai envie de tester, voilà, Player of the Week. Je crois qu'il faut mettre ça, on va voir qui on peut avoir. Ah, il y a plus de chance. Ah oui, on est sûr d'avoir un doré minimum. Et donc une fois à 100, ça vaut le coup de tenter sa chance. Il y a quand même du gros joueur. Il y a Hazard, Thauvin, Pepe, Payet, Pepe, Defraid, Lozano, Draxler, Eduardo, Peterson et Izquierdoz. On peut se tenter, mais j'espère qu'ils vont pas nous refiler encore toujours. Comment dire? Je veux payer en pièces My Club. Quoi qu'en GP? Ah non, on peut pas payer en GP. Ok, ouais, c'est ça. Je me disais mince, pourquoi ça me met zéro? Si c'est zéro, autant tenter sa chance. Le gacha, le gacha, le gacha. Non, mais j'aime ça en plus en ce moment. Hein, je joue en même temps à Shenmue, donc vous vous doutez bien que bah, Shenmue, il y a des petits gachas aussi à acheter. Il y a une loterie pour ceux qui connaissent. Donc on a eu un doré. On n'a pas de réussite. On a un ballon doré. On a Izquierdoz, donc qui était le dernier de la liste. Il me semble que c'était un DC, non? Boca Junior, c'est pas mal. C'est quoi son poste? Ah ouais, ça c'est pas cool, le mec il joue. Putain, mais j'en ai marre parce qu'on nous refile que ça. C'est ça qui me gonfle quand même. Va falloir que je fasse du poste pour poste parce que là on nous refile que des défenseurs centraux et ça me gonfle un petit peu quand même. Ça un peu con. Ah non, vous, on va pas se mettre à taper là, les voisins. J'espère que bah, vous, ça vous dérange pas. Vous avez pas le retour, espérons. Ah, parce que là, ça se fait pas. Je veux dire, voilà, vous êtes en train de faire un truc, non. Un entraînement tactique, ok. C'est tout. Pourquoi me l'avoir mis deux fois? C'est une répétition. Eh, mais mine de rien, on a 38 000 GP. Faudra que je fasse gaffe aussi. Je comprends pas encore comment marchent les renouvellements. Et ça va être super important. Je pense qu'il va falloir que je fasse gaffe, hein. Je sais pas où on voit ça. Peut-être ici. Ah, les entraînements, c'est vrai que je peux entraîner des joueurs. L'effectif. Allons voir ça. Donc comme vous pouvez voir, on a récupéré Insigne en ballon noir, ce qui est plutôt cool. Un bon milieu que j'utilise, milieu offensif, même si ça me plaît pas trop. Parce que bah, j'aurais préféré. Ah mais je crois que la barre en dessous en fait c'est leur durée de contrat, voilà vous me l'aurez peut-être dit entre-temps, vu que j'ai pas encore posté les premiers épisodes, mais c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être la durée du contrat, voilà ce que je me dis. Bah non parce que lui il a 3 et lui il a 6 et lui il a sa barre donc non. Mais ouais je ferais bien jouer plutôt, mais j'ai pas le coach pour ça, malheureusement, faudrait que j'ai un 4-4-2 mais étoile, plus dans cet esprit-là et pas avec des MR. Et le truc, c'est qu'on peut pas déplacer un joueur. J'ai pas le droit de retoucher ça. On a récupéré qui? Van Dijk, Owedes,
qui sont donc là à ce niveau c'est du comment dire du défenseur central aussi. On en a la blinde en réserve, donc bah forcément le Royal, j'allais dire encore Loyal, bah, il est là. On a récupéré notre ami Conti aussi, donc à 79 c'est pas dégueu. Et puis bah la réserve, forcément on commence à avoir une réserve assez intéressante, parce qu'on a quand même Coutinho qui était offert avec le jeu. On a Izquierdos donc qui vient d'arriver à 80, qui est notre meilleur DC. On a eu Rakitski, Ski, devrais-je dire, j'imagine. Llorente. Attaquant, on a Carroll. On a Emo, Alan Patrick, donc qui était avec Insigne pour ça. Et je crois que c'est tout. Ah si, puis on a Luisao aussi en DC. Donc on est vraiment bardé de joueurs DC. Je me demande même si on peut pas refiler dans les anciens joueurs, si on a le droit. Quoi qu'ils ont une durée de contrat, mais c'est par match. Donc c'est compliqué. Donc c'est un peu le bordel, hein. C'est un peu le bordel ce système. Je capte pas encore tout, comme je disais, en termes de réassort de contrat. Je sais même pas où on voit ça, justement. Comment on peut faire ça? Recruter. Là, c'est pour recruter des agents. Là, c'est les résultats, les classements. Donc ça m'intéresse pas. Et si je vais direct sur un joueur, est-ce que je peux aller sur un joueur? Genre, je sais pas, moi, Insigne, qu'est-ce qu'on a? Menu du joueur, tiens. Voilà, détails, changement d'année, désinscrire joueur, non. Ah, voilà, renouvellement de contrat. Je veux savoir ce que ça me demanderait. Ah ouais, il y a récupération d'endurance. Ah, c'est ça, les trucs d'énergie. Ah ouais, il faut leur redonner manuellement, en fait, le. Ah, c'est abusé. Mais sur ma vie, c'est abusé, en vrai. Ah, c'est un peu le bordel, quand même, ça. En fait, si t'en gagnes pas, c'est la merde. Donc voilà, ah oui, vous êtes sur le point de. Pour 10 matchs. Ah, ça va, c'est quand même réglo, c'est 60. Sachant que si on fait un match, on peut récupérer 50 pièces. Donc si tu joues un peu dans tous les modes, il y a moyen de se faire 50 pièces et renouveler toute ton équipe. Non, ça va, si c'est ça, c'est réglo. Mais ouais, je vois que Beckham, là, il est en mode DC. Son contrat, il est encore là, donc il faudrait peut-être que je lui remette de l'endu à lui. C'est peut-être pour ça aussi qu'il galère, le mec. Que bon, il est pas dégueu. Ça nous fait gagner 300 GP, ça c'est bien. Parada, le problème c'est que j'ai pas mieux. Il faudrait peut-être que je lui remette aussi. Non. Donc ouais, il va falloir billets. Ah, mais j'ai des billets aussi de renouvellement de contrat. Donc ça, ouais. Ah, j'ai les joueurs libres. Donc je voudrais tester un truc, tiens. Pendant qu'on est là. Non mais je l'ai dit, c'est du tuto en même temps, hein, parce que moi je découvre le jeu, un joueur genre pourri. Peut-être pas un deuxième gardien. Quoi qu'on en a un. Ah non, on n'a même pas de gardien en réserve, donc ce serait mal vu. Notre ami Legoida. Ah oui, on voit chacun l'affinité qu'il a avec la tactique en fait du coach. Ça aussi, en fait, c'est important. Ok, en plus c'est un ballon blanc, donc peut-être tester avec lui. Si je libère. Vous gagnerez 0 GP, ouais j'imagine, parce qu'en fait c'est si on veut libérer les joueurs qui ont un peu plus de trucs. 400 points remportés pour libération de joueurs, donc ça c'est bien, ça fait des GP quand même. Non, donc ça abaisse pas le coût. Le coût c'est vraiment basé pour l'équipe type. On est d'accord, c'est ce que je voulais vérifier. Donc pour moi que j'ai une réserve avec 500 joueurs, c'est pas grave. Si on se la joue version gacha, qu'est-ce qu'on a ici? On a le droit de toucher? Parce que si c'est ça, moi ça me plaît. Attendez, ah ouais, on a le droit de faire ça. Ah ouais, non, mais on peut faire ça. Là, mais non, non, j'ai pas le droit en fait. Ah ouais, non, interdit. Je peux les avancer un peu, mais pas trop. Ah non, c'est. Ah oui, d'accord, je pense que c'est. Ils ont une zone par rapport aux joueurs. Quoi, non, j'ai pas le droit, lui. Non, je crois que j'ai pas le droit. Insigné, je peux le monter un peu. Le truc, c'est que si j'arrive à monter un tout petit peu lui. Mais non, j'ai pas le droit. Je peux pas trop le mettre parce que j'aurais mis une signée ici qui serait beaucoup plus efficace, je pense, en termes de rendement.
pas le mettre un peu plus à gauche lui ici. Voilà. Et Beck, on peut pas le monter un peu? Enfin, j'arrive pas à viser en fait avec leur système. J'ai énormément de mal. Comme ça, je pense que c'est bien. C'est ah ouais, non, c'est peut-être un peu trop lui. Ah, mais c'est super sensible aussi. Hein. Sans mentir, c'est tellement sensible. Je me demande si mettre Signe ici, ce serait pas intelligent. Après, il perd, mais parce qu'il est plus ailier. Donc pour l'instant, on va peut-être le laisser milieu offensif, tant pis. C'est comme ça, mais déjà on a pu retoucher légèrement. Donc ça me va. La composition, il faudrait que je revoie aussi à un moment donné les remplaçants. Allez, on va se tenter un petit match avant de se quitter. Moi je dis voilà, c'est des vidéos normalement un peu plus rapides, on se fera un petit match en passant. On va jouer contre les équipes d'Amérique du Sud. C'est ça les clubs, voilà. Les clubs d'Amérique du Sud. Alors comment ça marche? Ça c'est pour jouer en ligne, ça c'est pour jouer contre l'IA. Nous on va jouer contre l'IA tranquillement. Parce que j'ai pu tester en ligne, mais on va tellement se faire rincer. Je vous le dis sincèrement. Voilà, donc ça c'est pour la semaine. On a ça ou ça, ça c'est les feature clubs. Je ne sais pas c'est quoi, c'est les grosses équipes, ça les feature clubs. Non, c'est pas ceux qui ont signé avec le jeu. Après on a des challenges, donc qui durent beaucoup plus longtemps. Mais là c'est élite et élite. Est-ce que les étoiles c'est la difficulté? J'imagine que oui. Donc on va tenter ça. On va tenter cette compétition. Voilà, si on se fait sortir, de toute façon, je pense qu'on a le droit de les retenter pendant une semaine. Voilà, c'est des éliminations directes. On peut gagner un agent silver. Plutôt pas mal. Defensa Justicia, pardon. Voilà ce qu'on nous envoie. Donc j'imagine que les matchs dans le cloud, c'est ça, c'est quand on joue genre contre l'IA, ça peut choisir parmi, comme les gachas dans certains modes PVP où ça peut choisir notre équipe random pour jouer contre les gens. Ce serait ça, ce qui serait sympa, hein. Bon, après, mon équipe est pas encore au point, ça j'en suis convaincu, hein, on va pas se mentir. Donc on gagnera pas des crocros joueurs qu'on va réussir à mettre ensemble, parce qu'après c'est pas le tout d'avoir les meilleurs joueurs si ils sont pas adaptés à notre tactique. Comme là on peut le voir avec Insigne, malheureusement que je peux pas mettre Bonsoir à tous, bienvenue vraiment sur ailier Canal gauche, RGB pour que cette je rencontre préférerais qui perso. s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, Parce qu'il est parce un que peu le vent petit est malheureusement puissant, parce que nous et sommes dans nombreux l'axe, et nous ça sommes peut être mine de passés. rien On a compliqué. même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine La lucarne de Dybala qui est notre sortie carrément. d'entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Merde, Ça j'ai pas réussi. Ah, annonce c'est de ma faute, j'ai été dangereux. trop gourmand. J'aurais dû frapper. Et le coup d'envoi donc Bon, est c'est la lancé. défense où je pêche, hein. Ça c'est pas nouveau. Ça ne change pas. Il n'arrive pas à se rapprocher du but adverse. Bon, ils ont l'air un peu gentils pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Bon, ça tricote, hein. Ils voient que je galère. Ça va être vraiment mon problème dans Sur My la Club, droite. la défense. Ça passe à droite. Non mais me fais pas galérer. Long ballon vers l'avant. Le problème c'est que si je me fatigue à Il est défendre comme ça, passé. waouh, j'ai fait de la merde. Un centre dans la Voilà, c'est surface. bon, c'est sur le gardien, on s'en sort. Droit devant mon gars, il y a un trou. Arda Turan. Allez, on croise en Ça toi. manque un peu Allez, Touran. d'initiative, de prise de risque dans ce début de match. Ah non, Mandri, ce dommage. ballon en profondeur. Le Mandri, il tire. Oh, ce petit but, voilà, But! tranquille. Non, mais c'est pas n'importe qui, les mecs. C'est Il est Romario. presque chambreur dans sa finition. C'est super bien joué ça. Il savait exactement ce Donc, ça qu'il fait avait intérêt à plaisir. aller faire. Bon, j'ai l'impression quand même on nous laisse nos chances, hein, parce que voilà, il a pas dégagé instant. On a placé ce petit tir. Non, en plus on joue contre des Et on regrette compatriotes cette quoi. ouverture du C'est score la et mer on sud revient là. sur le terrain. On représente avec l'attaque pardon Romario Dybala. Entrée pour repartir proprement. Allez, il faut qu'on apprenne. Je veux me servir Passe de ces matchs pour écartée dans cette réapprendre à quand même à mieux position. défendre dans cette version Ça fait donc et avoir 1-0. les meilleurs réflexes. Parce que si je veux jouer contre des joueurs, je vais prendre des purges sinon. Je vais me prendre des 3-4-0 si je fais de la merde.
Sachant que j'ai pas une équipe de ouf en plus. Il relance côté droit. Il est tenté, Ouais, attention. ils ont du mal quand même à revenir, hein, les défenseurs, une fois qu'ils se sont fait Zefa. Là, je trouve ça un peu dommage. Bon, je voulais pas faire ça comme ça, mais il y a une Sydney, c'est rapide. Voilà. Voilà le petit plat côté gauche. Voilà, Insigne Dybala, ça passe bien. La tactique du masque. Non, mais c'est beau. Voilà la vision du jeu. En attaque, ça va. Je suis là, je suis présent. J'ai fait genre d'aller à droite, bim, tirer à gauche. Sans tirer en force, hein, il n'y a pas besoin. Mais voilà, Insigne sur des accélérations comme ça, il est important. Allez, Beckham. Faut défendre. Sa gueule. Hein. Allez, Insigne. Mais c'est pas beau ça. Est-ce que c'est pas beau ça? Ah, mais c'est la balade par contre. C'est quoi ce niveau d'ordi? On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Franchement, c'est intelligent. Petite talonnade de Romario. Bah, le défenseur qui laisse passer parce qu'il peut vraiment boucher l'angle. Sérieusement, j'aurais presque honte à sa place. Mais Insigne qui a mis son but. Voilà, on est à la 30e. Bah, finalement, on s'en sort. Mais j'aimerais savoir comment on peut changer de formation. Je pense qu'il faut, ah, si, il faut aller dans recrutement de manager, j'imagine. Mais elle me marche pas dessus, toi. J'imagine que c'est ça. Ça doit être dans ce style-là. Faut qu'on tombe sur un bon manager et on pourra espérer faire peut-être un peu plus de choses qu'on veut. Ah bah moi, si tu me laisses rentrer, voilà. Oh, la petite tête qui passe juste à côté. Dommage. Non, mais il y a du beau jeu. Alors, franchement, voilà, on va pas proposer que essayer de rentrer dans l'axe vu qu'ils ont l'air de défendre comme des passoires. Ah, dommage, hein, c'est pas si loin que ça. Allez, on fait un peu tourner. Non, mais parce qu'ils m'ont fait chier au début de la mi-temps à faire tourner. Non! Ah, oh, si, c'est bon, il a réussi à la passer du gauche. Putain, je croyais que Dybala, il l'aurait pas. J'ai voulu tirer instant. Oh, 4-0 à la mi-temps. Ah, il a mis deux buts, Dybala. Ah, bah là, c'est. Non, mais c'est Gruyère défense, là. C'est con, ouais, il a fait le contrôle, mais j'ai réussi à la placer pied gauche et tirer. Non mais là je suis dans Captain Tsubasa Dream Team, c'est pas possible. Ah ouais, je lui mets juste derrière la cuisse. Bah vu le temps de jeu, ouais. Son coéquipier. Il glisse le ballon en profondeur. Dybala. Oh, ça tire juste à côté. Fallait la tenter. Non, mais sérieux, fallait la tenter. Moi, je le dis. Bon, c'était un replay dégueulasse. Alors, c'est le replay, voilà. Je le dis souvent dans la version vers une légende. Lorenzo Insigne qui est récompensé de son pressing. Oh, voici Dybala. Il écarte sur l'aile. C'est une occasion, ça. Oh, sur la transversale, mon gars. Ah merde, pourquoi il l'a remis si loin? Lorenzo Insigne. Mais non, mais en plus, où il me la met? Il y a un mec dans. Putain, mais c'est quoi cette défense? C'est cette IA. Putain, l'IA, la dernière fois, elle m'a fait galérer. Et genre là, c'est à peine si elle est présente, quoi.
Ah ouais, les pauvres, il faut que la mi-temps elle finisse pour eux, quoi. Parce que, ils ont quand même la possession de balle. Là, parce que là, ils se font dévorer, c'est pas cool pour eux. Non, mais j'ai de la peine pour l'ordi, moi. Je sais pas, mettez-vous à la place de ce pauvre ordi qu'on oblige à jouer mal. Ça presse un peu plus. Ça va vite C'est pas encore aussi, ça. peut-être. Oui, United, il cherche l'étincelle. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est à distance de tir. La frappe, attention! Voilà, le petit but facile pour Dybala, la passe de Romario. Non, mais là, c'était facile. On va pas se mentir, c'était facile. On ne Vous s'attendait l'avez pas tous à vu une arriver telle quand j'ai remontée. ralenti, je suis sûr. Incroyable! Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Je suis sûr que vous l'avez vu venir. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but! Ah mais mes joueurs ils vont être notés 8,5 quasiment tous si ça continue. En tout Ils ont cas un jouet l'attaque. intouchable. Ils vont tous avoir au-dessus de 7. Il décide d'allonger le jeu. Il se retrait vers son défenseur. Mince. Je suis parti dans le vide. Ça joue à gauche. Il y a peut-être un coup à jouer. Mais il n'arrive pas à se rapprocher. Moi je le laisse galérer. Franchement, il perd du temps. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Merde, je lui redonne, j'ai pas réussi à faire direct devant. Quelle Le mec, il passe! fait des tinglés. C'est vrai qu'on a des stars, on peut tingler. Voilà, il aurait pu essayer de tenter sa chance, mais non, il a reculé. Le jeu repart vers la droite. Oh, quel geste! Voyez, c'est ça le problème. Genre là, ça attaque pas. Ça me laisse revenir. Voilà, je m'en doutais, ça m'étonnait qu'il n'y avait pas faute. Bon, je fais des changements un peu barbares, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de monde. Mais histoire de faire souffler un peu mes stars. Que s'il faut remettre nous-mêmes l'enduit, voilà, je veux bien être gentil, mais ça va nous coûter cher quand même. Franchement, j'ai de la réussite. J'ai eu peur, j'ai eu cet instant de silence. Parce que j'étais tellement persuadé que j'allais passer à travers. Allez devant, les gars. Insigné, mais je sais que t'es petit, hein. Je te fais tenter ta chance. C'est vrai que normalement, je les joue plus sur les ailes. Donc tu seras devant. Ah, il était combatif. Quelle inspiration! Oh, il a pas Mais il dégagé n'y a le pas ballon. faute là. Mais non, c'est pas vrai, monsieur. Par contre, comment marchent les cartons? Donc, c'est pour chaque event, il y a des cartons spécifiques. Ça doit être un beau bordel quand même, ce système. Attends, il faut se rappeler après tous les cartons qu'on a. J'avais fait une sortie de gardien au cas où. Bon, il y a 6 mètres. Allez devant. Allez aider le petit Insigné. Les petits plats, c'est abusé quoi. Le gardien qui attend, il sort même pas. Lavergnac, j'ai fait rentrer. Je crois que c'est un défenseur central à l'origine. Si je me trompe pas, donc c'est pour vous dire à quel point c'est abusé là. Le pauvre, même lui, il leur met la misère. Voilà, il a même le temps de patienter. J'aurais pu faire la passe et frapper limite quoi. C'est juste abusé. Même lui, il aura le droit à son petit set. Le remplaçant défenseur central. Parce que je crois que c'était. Non, il est ailier gauche, pardon, j'ai rien dit. Il est ailier gauche. C'est vrai. Mais non, pourquoi il me l'a mis là-bas? Je me trompe, c'était AIG, donc c'est ailier gauche.
Faut pas que je dise des conneries non plus. Non, mais c'est bien parce que ça nous permet de nous mettre dans le bain, quand même, de s'entraîner dans un sens, mais c'est un peu trop facile. Waouh, le jeu qui a frisé. Le jeu qui frise, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui s'est allumé sans que je sois au courant. Encore lui, toujours lui, la petite passe de Dybala. Alors je suis désolé là parce que là c'était vraiment dans le game. Ça venait pas de la capture, je vous rassure, mais il y a vraiment eu un saut, alors je sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Je ne saurais dire moi-même. Merde, si j'appuie pas, c'est vrai que je suis pas en automatique. 120 points, 10 tirs tentés. Ah ouais, on a même des points quand on tente des tirs. Bon, au moins on aura passé le premier tour. Parce que j'imagine que ça va monter en puissance. Mais après, c'est peut-être que j'ai une équipe meilleure par rapport à la première vidéo. Ah, mais voilà pourquoi. Il y a un bug réseau. Mais le jeu. C'est bon, il n'y avait pas la maintenance là. Ah ouais, non, mais c'est perturbant ça. Ça, c'est chiant. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Les modes, le problème, c'est ce qui m'embêtait pour My Club. Donc, de toute façon, nous, on aura vu le match. Donc, dans tous les cas, c'est pas grave. Mais j'espère que moi, il n'y aura pas de soucis, quoi, que je pourrai enregistrer et comptabiliser ça. On se la joue tranquille, mais il faut faire gaffe quand même parce qu'on n'a pas un gros gardien. Ah, pas assez fort, dommage, un tout petit peu. Ça aurait pu passer. Non, mais te jette pas, toi. Putain, mais le mec il veut se jeter à ma place. Je fais exprès de pas me jeter. Oh, cette petite faute. Ah bah on va savoir. C'est bon, j'ai mis un attaquant pour un attaquant, c'est Dybala. Ce petit tacle, qui est tellement dégueulasse. À 7-0, c'est tellement pas. Il n'y a pas besoin de ça au Edes. Sérieusement. Un petit corner. Ouais, ils auront sauvé les meubles, comme ça les mecs ils ont une occasion parce qu'ils voulaient pas frapper. Bon, moi je veux leur donner leur chance. Je trouve ça normal. On a des géants quand même, ça change un peu. Voilà, avec le petit Insigne pour courir. Hop, ça jongle. Regardez-moi ça, ça tente même les jongles. Mais pourquoi il fait la passe au gardien? Mais non! Mais il est taré! Hervé! Je sais pas qui là. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Bon voilà, 7-0, c'est pas grave. Je me suis amusé à faire des petits jongles avec notre ami Sydney sur cette dernière occasion. Mais là, c'est bon. Je pense qu'on leur a mis la tôle, les mecs. Je pense que ça suffit. On va pas leur foutre la honte pendant 10 générations. 7,5, 8, 7. 7,5, non, 7 pour l'Auvergnat. Ah oui, Hervé, c'est celui qui vient d'arriver. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Attaquant tocard, bah connecte-moi, essaye de me reconnecter, qu'est-ce que t'as fait? Pourtant j'ai pas perdu Mako, moi, donc c'est de la connerie. Mako est toujours là. Me dites pas que le bug il est revenu, hein. Je vous tape. Rien que pour ça, franchement, on devrait avoir aussi des compensations d'avoir eu ces soucis, parce qu'ils ont corrigé en partie, mais pas totalement. Avec un épisode, bah, finalement, qui sera plus long et tous ces temps d'arrêt là. Voilà, on aurait dû finir sous les 30. Mais c'est bon, ça a mis à jour, on a nos points. C'est bien, on a des mecs quand même qui prennent du niveau. Donc ça, c'est plutôt cool. Je me demande si Dybala, je vais pas le garder, parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien. Puis c'est le premier qu'on a eu. Lui, Insigne, ce serait pas... Parce que Insigne, je sais qu'on pourra le faire jouer un peu plus tard. Mais c'est bien, parce que c'est les mecs qui vont monter. 3000 GP, première victoire du jour. 1 x 0,5 bonus de niveau du match. C'est sûr que le niveau, il n'était pas là. Un 17 bonus de puissance d'équipe.
Non, mais ça fait plaisir. Spécialiste des joueurs 25-29 ans, donc ça c'est bien. 3 étoiles, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est un petit plus. Voilà, pour tenter notre chance au gacha. On a le match contre l'IA pour les trucs. Voilà, ça a été rempli. Un nouveau contrat sera signé à la fin du contrat actuel, donc ça c'est bien. J'irai juste voir un truc, moi. Non, bah ça c'est le prochain match, ah, voilà. Donc ce sera la prochaine fois, on ira voir plus tard. Vous pouvez redémarrer à tout moment pendant le. Ah bah j'espère. Ça va, ouais, j'espère. Oui, c'est l'ordi de toute façon. On va pas nous forcer à jouer les matchs d'affilée, ce serait dégueulasse. Ça, c'est mon avis. Je voulais voir un truc. Ah oui, recruter manager, voilà. Ah, c'est là. On peut payer en étoiles. Ah ouais, ça coûte cher quand même. Par contre, comment on fait pour savoir ah, par contre, les talents de gestion et autres, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ah, il faut peut-être la flexibilité aussi pour faire des ajustements. Mais peut-on voir en fait, moi j'aimerais voir. Ah, voilà. 4-1, 2-2-1. Ah, c'est pas mon kiff. 4-2-3-1, non. Peut-être 4-3-2-1. Ah. Je suis vraiment un fan du 4-4-2. Ouais, non, mais là, c'est 3MR, quoi. J'aime pas ça. Bon, après, c'est sûr, ça vaut moins cher, mais 4-2-3-1, peut-être. Ouais, ça, voilà, déjà, c'est un peu mieux. Bon, il n'y aurait qu'un attaquant, mais on aurait des milieux gauche et milieu droit, donc ce serait un peu mieux. Par contre, je vois pourquoi l'autre, il est MR et l'autre, c'est un milieu défensif. C'est complètement con. Soit les deux, ils ont le même poste. Bon, lui en tout cas, c'est celui qui coûte le moins cher. Alors, on verra ça une prochaine fois. Voilà. Mais on sait que c'est là. Voilà, on peut recruter des managers et peut-être bah, créer une équipe qui nous ressemblera plus et qui sera mieux pour nous. C'est ce que je souhaite. En tout cas, moi, je vous laisse ici. J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. Ce fut la balade comme le chantait notre ami. Je ne sais même plus qui chantait ça déjà. Mince. Ah, oh, ce trou. Voilà, les Champs-Élysées, là, mon gars, c'est qui déjà? Voilà, j'ai oublié. Voilà, quand on en a besoin, on oublie. Hein, on se dit que ça servira jamais dans notre vie. Puis il y a un moment de la placer, voilà, on oublie le mec. Bon, allez, c'est pas grave, moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.